Salut toi YouTube, comment vas-tu? Bon, on se retrouve, c'est la première vidéo de cette chaîne où on va aller voir un match de foot. Et match particulier puisque nous allons aller voir un tour de Coupe de France, c'est le premier de cette édition de Coupe de France. On va aller voir Sommervilliers, FC Dombasle, on va aller supporter les copains. Donc pour cela, déplacement pas très lointain, Sommervilliers c'est à côté. Vous allez voir, c'est un terrain spécial, c'est un terrain bord-terrain, un peu comme on fait... où les supporters voilà, sont très proches des joueurs, un peu comme on fait un peu en Angleterre, vous allez voir ça, c'est magnifique. C'est vraiment le football qu'on aime, le football à l'état pur, là où il se pratique pas le mieux, mais où il se pratique le plus. Donc voilà, premier épisode de Théo visite un stade ou je sais pas quoi. On reste en France, on va voir les copains, on va voir la Coupe de France, on va aller encourager tout ça. Je vais avoir des petits camarades qui vont venir m'aider, vous allez voir, vous allez reconnaître des sacrés personnages. Je vous dis à tout de suite, à bientôt. On est arrivé dans le stade de Sommervilliers. Vous allez voir s'il peut, il y a contrôle de passe sanitaire. Et oui, hein, c'est la Coupe de France, ça rigole pas. On va aller faire ça tout de suite. J'espère que je vais passer. Le consultant du match vient d'arriver, ce Ribs. Bonjour messieurs là. Tu vas prendre ton poste, je te laisse t'installer. Merci. Allez, salut. Je vois que tout est prévu. Petite particularité, il y a de la bouse de merde partout autour du terrain, en même temps et dans les champs. Mais vraiment proche, hein. Pas falloir aller chercher les ballons là-dedans. C'est ça le football district, c'est aller chercher des ballons qui partent chez le voisin. Ah oh, putain. C'est un match particulier. Sommervilliers est un club donc, de 3ème division à côté de Dombasle qui évolue en R3. Mais aussi c'est un match particulier vu qu'il y a déjà eu cette affiche l'an passé au premier tour de Coupe de France. D'ailleurs, le score avait été de 6 buts à 1 pour Dombasle avec un quadruplé de Matteo Banero. Particulier aussi parce qu'au final, Sommervilliers est une équipe entraînée par un des personnages emblématiques du FC Dombasle, Tonton, alias Sébastien Véras. Tu passes par là, salut Tonton. Et donc, c'est une équipe avec des anciens copains, avec des anciens du club, une équipe très, très familiale, on peut appeler ça comme ça. Et donc, c'est une équipe de copains qui seront là pour jouer les troubles faits comme ils ont tenté de le faire l'an passé. En tout cas, on les embrasse, on leur souhaite bon courage pour ce match. Ouais, il est direct, c'est mieux. En jeu, Ribs. Ribs. Un petit coup peut-être sur ce premier but, premier coup de chaud dans la défense de Sommervilliers. Oui, tout à fait. Un classique. Hein. Quand t'as un Schuller qui prend de vitesse la défense, ça arrive tout le temps maintenant. Il a été trop vite et il y a hors jeu. T'es trop vite, ça. Mais, on espère. J'ai vu marquer Quentin Schuller deux fois de la tête et deux fois Sommervilliers. C'est un signe. Allez, en tout cas, on lui souhaite. Valentin Mazur. Wow, je l'ai vu dedans. On sait pas d'où elle sort. Oh putain. Oh la vache! J'ai bien fait de me garder. Oh oui! Golasso! Rips, Rips, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Rips? Là pour le coup, on n'est pas du tout habitué à ça. Quand t'as Schuller qui tire un coup franc, elle est dedans. Il marque sur coup franc en plus! Extraordinaire! Il n'en met jamais quoi! Jamais! En plus, jamais de sa vie! Son mauvais pied, le gauche! Putain, ça fait plaisir! Regardez le numéro 6, mis au strap, ça c'est intéressant. Merde! Ah celui-là je l'ai pas, Ribs, je l'ai pas, Ribs! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a assisté à un très très beau centre de la part de Mumu, côté gauche, pour Valentin Mazur qui est passé devant son adversaire, encore une fois je dirais. Et puis en renard des surfaces, Matteo a converti. Ouais. Mumu, belle surprise Mumu! Ah Mumu, mais c'est le phénix, il renaît de ses cendres. On l'embrasse. Et 3-0. C'est fou. C'est fou. Rips. Ça n'arrête plus ce soir. Une petite passe lobée de Joven de Havron pour penser qu'il est percuté. Ouais. Et puis Matteo qui a fait un petit lob subtil. Voilà, le gardien qui est trop avancé. Voilà, ça... Porte la marque à 3-0, ça commence à sentir bon pour Dombasle quand même. On voit que Sommervilliers tire la langue. On ne sait pas jusqu'à combien ça va finir, mais en tout cas on prend le plaisir. Ouais, l'addition va peut-être être salée pour Sommervilliers. Oh, oh là là, oh là, oh là. Ça,
c'est district. Oh là là. Ça c'est district. Il a cassé la jambe. Ça c'est district. Ça c'est, j'aime bien. Ça je prends. Ah je prends. Ah, monsieur l'arbitre, sortez la biscotte. C'est un jaune orangé là quand même. Incursion pour Sommerville. Il y en a pas eu beaucoup, attention. Là il y a du football. Mathieu chope en ballon. Ouais. Aïe 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 aïe. Ah oui, Raymond, là ça va tout seul, ça va au bout mon petit. Amener de l'eau peut-être. Amener de l'eau. Il a soif ou il a mal? Amener de l'eau. 4-0. J'ai loupé le but encore. C'est triste. Facile. Aucun problème pour Omar. T'arrives dans les coulisses de la cabine de commentary. J'ai cru au premier but. Une cigarette, Grimond, une cigarette. Qu'est-ce qui se passe là? On n'est plus vraiment professionnel. J'ai pas connu le foot depuis mars 2001 quand même. Hein. C'est important de le dire. Ouais. Souligner, hein, c'est notre consultant. Hein, les consultants, ce sont des anciens joueurs. Est-ce que vous êtes ancien joueur ou toujours joueur? Je ne sais plus. Je suis perdu. En tout cas, encore une fois, on te le souhaite. J'aimerais retrouver le goût de l'herbe. On te le souhaite, Ribs. Oh là là! En partant du Brasil! En partant du Brasil! La passe du Nino! C'est fini! C'est fini! La cote était bonne! C'est terminé! Oh là là! Oh là là! T'es opérant! L'histoire est belle. Pourquoi Ribs? Pourquoi l'histoire est belle? L'histoire est belle et il revient après 3 ans de blessure. Après beaucoup d'acharnement et d'abnégation, le voilà aujourd'hui sur le terrain. Son premier match officiel depuis U17 première année. C'est impressionnant, c'est incroyable. Et comme quoi, il faut jamais rien lâcher. Jamais rien lâcher, c'était la belle morale de ce but. On embrasse Topérin, très beau but. Bien joué à toi, mon gars. Eh oui! Le doublé! Pourquoi ce doublé est beau? Le vieux rebond des yeux, c'est incroyable. Pourquoi l'histoire est encore belle? Là, c'est l'ato. Ah, c'est important de souligner le travail de l'ato qui s'est levé au moment où on la frappe et qui a lobé le gardien. Pas verni le gardien. On l'embrasse. La frappe était intéressante. 6-0. Il nous en a loupé quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Que c'est j'ai plus de mots. Valentin Mazur est juste exceptionnel. Une qualité de pied droit, qualité de pied gauche, la tête, le talon, la galette, le geste, vous ne la verrez pas parce que. Ah, vous la verrez peut-être. Allez suivre Nabil El Yaghoubi là-haut. Regardez, on l'embrasse. Gribon. Incroyable. Oh là là. Vous ne le verrez pas souvent, ça. Pourquoi l'histoire est encore une fois particulière? Et la cote était très très haute. La cote de Roma était plus faible que celle de l'avait dit, je marquerai cette année. Oh là là. Son entraîneur lui-même n'y croyait pas. Des doigts d'honneur pour Quentin Schouler, des doigts d'honneur pour Rémi Ballan, et sûrement pour moi aussi. Bravo. Ouais. Rémi, un petit mot. Bastien, rien à voir. Un doigt d'honneur. Aurem, t'es franchement pas drôle quand même. Regarde, oh là là, le buteur, la zone mixte. Max, ton premier but avec le second ball. Il était temps. Et un petit mot quand même. Cette action sur ce match, qu'est-ce que t'en penses, ton ressenti? Pas un nul. Yes. Un joli pied de nez à ton entraîneur qui lui-même. Et moi j'y ai cru. Consultant, mais avant tout ancien coéquipier Ribs, qui est vraiment petit, hein, il faut se baisser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Incroyable, monsieur. On a plaisir. Qui a passé comme ça, vous. Bon, vas-y, un petit mot sur ton match. Voilà, Mazur, Topérin, double buteur. Il y a le piston qui arrive maintenant. C'est le piston, c'est la relève. Par contre, il dribble un peu trop. Ah, monsieur Ballon, c'est pas bien ça.
Ouais, donc Val, présente-nous cette chaussure qui t'a fait faire deux passes décisives aujourd'hui. La Virato. La Virato, dis-nous un petit mot. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, apparemment le pied là il marche mieux que l'autre. Incroyable. Il est un peu tendu, mais il met un lacet de chaque couleur. Oh là là, quel pied et quel pied. Ouais. Exactement, ça c'est la droite. Et ça c'est la gauche, exactement. C'est incroyable. Et ouais, du coup, deux passes décisives, pas loin de marquer. Trois passes décisives, mais c'est incroyable. Ça arrive, franchement, des galettes. C'était un match contre une équipe de Détroit et puis on verra pour la suite du championnat. Objectif pour ce qui arrive? Ne pas se blesser. Ne pas se blesser, ce sera le mot de la fin, merci. Merci, monsieur le président. Au revoir. Victoire donc du FC Dombasle, victoire 8-0, ce fut un match à sens unique. Comme on pouvait s'y attendre finalement, il y avait trois divisions d'écart. En tout cas, Sommervilliers s'est battu avec ses armes, ça c'est clair. Ils ont fait un match honorable, ils étaient chez eux, mais bon, la logique a été respectée. Rendez-vous au prochain tour pour le FC Dombasle, donc qui on rappelle, gagné 8-0, il y avait 3-0 à la mi-temps. C'était pas forcément le match d'une vie, hein. Il y avait pas beaucoup de jeux, le terrain était compliqué, mais bon, on a vu des buts, on s'est bien amusé, on a bien rigolé avec mon cher compagnon Ribs que j'embrasse. Un beau petit cri d'hier à la fin et une victoire avant de partir, de prendre la route pour l'Espagne. Que demander de plus? Ce que je vais faire, c'est que je vais souhaiter bon courage du coup à Dombasle, à Rémi, à Jordan et à Pierrot pour cette année en senior. Vous souhaite plein de réussite. Ce que je fais aussi, c'est que j'en profite pour vous demander de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner. Si vous avez bien kiffé, n'hésitez pas à partager, à donner vos retours, ça c'est important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et ça sera en Espagne, sous la chaleur, sous le soleil andalou. Allez, bisous, ciao.